Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 12 octobre 2021. Pour ce mardi 12 octobre, évidemment, nous allons avoir une carte qui n'est pas très agréable, hein, mais je vous ai dit que je ne sentais pas cette semaine très... Voilà, hein, donc c'est le pendu. Ah voilà, le pendu. Alors le pendu, c'est une carte qui aujourd'hui, elle n'est pas négative, hein, attention, on ne va pas être pendu comme... comme le personnage, hein. Non, non, non. Aujourd'hui, en fait, on vous dit stop. Stop. Vraiment, ne vous débattez pas aujourd'hui, ne vous énervez pas, ne soyez pas, ne ruez pas dans les brancards, prenez du recul, parce que de toute façon, vous allez vous énerver, et du coup, gesticuler, et du coup, brasser de l'air, et du coup, envoyer partout de la mauvaise énergie, en premier lieu à vous-même, hein. Et du coup, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, on vous demande de vous calmer, on vous demande d'être un petit peu patient et d'être dans l'observation de la situation, de regarder les choses d'un autre angle. Si les choses hier vous ont demandé de la maîtrise de vous-même, de ne pas vous énerver, etc., eh ben c'est la même chose aujourd'hui. On ne s'énerve pas, on se calme, on respire, tout va bien. Plus vous allez gesticuler, plus vous allez y perdre quelque chose. Donc, du temps, de l'énergie, de la patience et parfois plus. Donc, on ne s'énerve pas, on respire, voilà, hein. Et puis, on laisse faire, on regarde les choses d'un autre angle, et là, on se rend compte que peut-être le problème n'est pas nous, mais que peut-être on se laisse impacter par le souci. Voilà. Ensuite, donc, pour tout ce mois d'octobre, évidemment, encore une fois, la roue de fortune. Voilà. Alors, la roue de fortune, aujourd'hui, en combinaison avec le pendu, hein, elle va nous dire encore une fois que les choses vont bien trop vite, en fait, hein, que ça va tellement vite qu'il y a une impossibilité de faire de la stabilité, d'être stable, vous voyez, de se poser, de voir les choses tranquillement, etc. Il y a toujours la tentation, la piqûre de l'énervement qui est là, donc attendons et essayons de calculer la trajectoire des choses avec du recul. D'accord ? Peut-être que c'est parce que vous arrivez au bout du tunnel et que vous voyez la lumière et que ça devient long et que vous avez envie de mettre un coup d'accélérateur, ça ne serait pas le bon moment. Non, là il faut y aller au même rythme et puis essayer de voir la situation d'un autre angle, parce que peut-être que dans ce tunnel finalement que vous traversez, il y a peut-être des choses à comprendre aussi. Hein. Voilà. Ensuite, donc 12 plus 10, ça fait 22. J'ai pas de carte 22, mais par contre le fou... peut être le 0 ou le 22. Donc là, évidemment, dans ce genre de tirage, je le prends en 22. Et puis ce fou, donc 22 plus 5, ça fait 27. Et donc 7 plus 2, ça fait 9. Ce fou est donc accompagné de l'ermite. C'est tout un tirage qui vous demande de ralentir. On commence par le pendu qui vous dit « Stop ! Arrête-toi ! Stop ! Fais une pause hein !» Et puis cette ermite qui vous dit « Hop, 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 hop !» Attends, là tu vas aller avec le fou, tu vas aller dans un truc, comme on te demande d'aller de regarder les choses d'un autre angle, tu vas entamer une voie qui est peut-être inédite pour toi, ou en tout cas qui semble obscure. N'y va pas avec de la naïveté, n'y va pas avec en tête l'idée que waouh, ça va le faire, allez, j'y vais, hein, poussé par cette roue qui te dit allez, vas-y, c'est le moment, oui, c'est le moment. Mais c'est pas parce que c'est le moment que je dois y aller n'importe comment, d'accord ? Donc, ce fou, ici, moi, il me demande de vous mettre en garde, parce que là, il y a un côté, comment dire, il y a un besoin, en fait, il y a une pulsion, en fait, d'aller, de répondre, il y a un truc un petit peu comme ça. C'est le mot pulsion qui me vient, là, maintenant, tout de suite, qui vous pousserait en avant, qui, ouais, allez, j'y vais, et je gesticule, et du coup... Je prends pas le temps de pause, j'ai envie d'avancer, c'est le moment, même si toutes les étoiles ne sont pas alignées, allez, pourquoi pas. Sauf que l'ermite, il vous dit, ouais, mais tu vois rien. Ouais, ouais, mais en fait, il va falloir y aller tranquille, parce que sinon, tu vois le serpent qu'il y a à mes pieds? Eh ben, il va te mordre. Voilà, voilà. Tu vois la lampe? Eh ben, en fait, elle sert à quelque chose, elle sert à observer un petit peu le monde qui t'entoure, elle sert... À ne pas y aller justement, hein, la fleur au fusil, et puis pouf, défroquer complètement. Hein.
Donc attention à ne pas partir un petit peu trop naïf dans cette journée, à ne pas prendre des décisions ou à ne pas réagir à quelque chose en se disant bah, je m'en fiche parce que de toute façon, voilà. Non, non, c'est un apprentissage, il faut jusqu'au bout boire la coupe jusqu'à la lie, j'ai envie de dire, boire la coupe jusqu'à la lie. Pour autant, elle vous demande aussi de ne pas réagir de la même manière parce que peut-être qu'avant, soit vous vous seriez énervé ou soit vous, justement vous auriez fait le dos rond. Là, elle vous dit, essaye de trouver une voie intermédiaire. Pose encore une fois, comme hier, hein, pose tes limites. Quelles sont tes limites? Mais connais-tu réellement tes limites? Connais-tu réellement ce que tu es prêt à accepter de ce que tu n'es pas prêt à accepter, en fait, hein. Voilà. Pour vous donner un exemple, dans mon métier, souvent il y a du bouche à oreille et c'est vrai que quand on parle de moi, ce n'est pas forcément la première chose qu'on dit de moi, mon métissage. Et parfois j'ai des gens au téléphone qui ont clairement des propos racistes et du coup les recadrer, ça ne veut pas dire s'énerver, ça veut surtout dire leur faire entendre que vraiment j'espère qu'ils ne disent pas ça parce qu'ils pensent que je partage leur avis. Vous voyez, après vous pouvez le décliner dans tous les aspects de votre vie, en fait, hein. On a tous parfois le besoin de recadrer l'autre ou de se recadrer aussi soi-même par rapport, oui mais là peut-être que je vais trop loin parce que nanana, il y a cette idée de attends, prends une pause et vois un petit peu si tu ne t'es pas laissé emballer par la situation, si tu ne t'es pas laissé emballer par tes émotions, par ton envie d'avancer, par ton envie de parler, par ton envie de dire ton opinion, par ton, voilà, il y a cette idée aujourd'hui de pff, on respire, hein. Stop, on fait une pause et on voit un petit peu si on est dans le juste ou pas. Ça arrive à tout le monde. Alors. La lettre. Ouais, aujourd'hui, ça sera peut-être en réaction à... Ou peut-être qu'on se sentira pieds et poings liés par rapport à quelque chose. On verra. La montagne et l'anneau. Oh, j'aime pas. La femme. Bon, c'est que des cartes qui sautent, hein. On va pas les interpréter aujourd'hui. Non, on n'a pas envie. Hein? Ouais, non, moi j'ai pas envie. On coupe. La lune et la croix. Ben, en fait, ça vous dit ce que je viens de vous dire, en fait. Il y a des choses qui prennent fin, il y a peut-être des limites qui seront à poser, en fait. Avec la lune, il y a une forme de recherche. Sachez aujourd'hui, la seule chose que vous avez à savoir, c'est que vous ne savez pas. Voilà. Je pense que c'est la chose primordiale à comprendre et à accepter aujourd'hui. Vous ne savez pas. Voilà. Donc, à partir du postulat qu'on ne sait pas, eh bien, on prend le temps de rechercher, de comprendre, de... Voilà, on prend ce temps-là. Alors, pour ce mardi, nous allons avoir le soleil, c'est très bien. L'homme. Le bateau. Le nuage. Et la montagne. Bon, alors, le soleil nous dit que, en définitive, tout va bien. D'accord ? En définitive, tout va bien. Concrètement, ça ira dans le bon sens. Les choses avancent un peu vite, mais par contre, ça nous dit clairement qu'on n'a pas la vision sur le truc et que du coup, ce sera peut-être bloquant émotionnellement d'avancer sans se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais aller jusqu'au bout, est-ce que je vais obtenir ceci, est-ce que la vie sera favorable, est-ce que je vais réussir, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que. Voilà, il y a des milliers de est-ce que, hein, puisque on est 5000 sur cette chaîne, donc il y aura des milliers de est-ce que. Mais dans l'absolu, les choses devraient aller dans le bon sens. Je vais tout recouvrir, y compris le soleil. Donc, nous recouvrons le soleil par le serpent. Nous recouvrons l'homme par le trèfle. Nous recouvrons le bateau par le bouquet. Nous recouvrons le nuage par le cœur. Et la montagne par les poissons. Écoutez, cette deuxième ligne, elle nous donne un aspect... En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sera très, 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 très mental, en fait. Hein. Il y a l'idée de quelque chose qui est sûrement en train de se transformer, ou en tout cas qui... C'est pas joyeux, hein, parce que on a déjà difficulté à accepter la transformation. C'est plus la mue du serpent, vous voyez, la fragilité de ce moment-là,
que je me transforme, youpi, tralala, je sais pas quoi. Hein. Non, non. Là, on est sur... Il y a une forme de sortie de zone, et du coup, il va falloir, je pense, tenir compte de ce serpent. On nous demande pas forcément de le maîtriser, mais on nous demande de le comprendre. Avec le soleil au-dessus, en fait, il y a « je comprends ». Je l'écoute, cette peur, ce doute, la peur de se trahir soi-même, ou même la trahison ressentie de la part de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça dit de moi? Je ne le regarde pas sous le prisme de « oui, je me suis fait trahir » ou je sais pas quoi, « ouais, mais j'ai peur », le « oui, mais », c'est pas possible, d'accord? Mais plutôt, je le regarde « ok, d'accord, donc cette peur ou ce sentiment d'avoir été trahi, qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il m'informe, en fait ?» Du coup, je mets en lumière les failles pour mieux pouvoir les dépasser le mieux possible, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va justement les dépasser et qu'on va comprendre et qu'on va être dans la résilience, accepter, justement, et puis pouvoir enfin passer à autre chose et quelque chose de très positif dans le cours de la journée. On va pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'on s'arrêtera sur ça, je pense qu'on finira par dépasser ça et que vraiment ce sera hyper positif dans le cours de la journée. On va comprendre en fait que bah, certaines choses demandent notre attention, puis que d'autres en fait on ne peut rien faire en fait. Hein. Il y a un impact émotionnel, mais au-dessus c'est le nuage ne fait que passer en fait. Hein. Cet impact émotionnel ne fera que passer, et bien sûr, si ça laissera des traces, on va pas se mentir, mais je crois que ce sont des traces qui seront assez positives. Et qui nous permettront justement de ne pas rester figés sur la déception, sur tout ça. Quand vraiment, j'ai fait le truc à l'envers, mais c'est pas grave, quand on regarde la ligne, le serpent, le trèfle, c'est comme si ce serpent, finalement, offrait, portait en lui, en fait, c'est comme s'il était le poison et le remède. C'est-à-dire qu'il porte en lui ce qui va faire mal, mais il porte en lui aussi ce qui va nous permettre d'avancer, ce qui va nous permettre... d'aller chercher finalement le cadeau, d'aller chercher finalement de la positivité, de nous servir de ce courant d'énergie positif pour aller saisir une opportunité qui nous apportera réellement quelque chose et qui fera en fait concrètement avec les poissons, soit ça sera concret, c'est-à-dire que bah il y a il y a quelque chose de concret qui en découle, il y a un cadeau concret, il y a quelque chose qui en ressort, de l'argent, je ne sais pas, des choses concrètes, on va dire. Hein. Mais, même peut-être un travail, mais il y a aussi le fait de comment dire, émotionnellement, il y a un truc qui nous permet de nous sentir, peut-être, le mot qui me vient, c'est fier de nous. Voilà, le truc qui me vient, c'est ok, d'accord, j'ai vécu ça, ça m'a fait mal, et en même temps, aujourd'hui, bah, je suis contente d'avoir vécu ça, si c'était pour obtenir ça, je veux bien, quoi, en fait. Hein. Il y a cette idée-là aujourd'hui. Alors, on va regarder avec l'oracle. La montagne. Ouais, ça nous demandera des efforts. Hein. Et je crois que c'est un travail au long cours, quand même. Hein. Il me semble que tout le mois d'octobre... Ça va être un travail au long cours. Nous avons l'ours et le sexe. Alors, je ne vais pas vous parler de sexualité, d'accord? Parce que pour certains, oui. Alors, dans ces cas-là, il va y avoir un attrait physique, un attrait charnel, un attrait, le corps de l'autre, etc., qui va être important. Mais pour la majorité des gens, ça va être plutôt le besoin de se faire aider au niveau du corps par un médecin, par un thérapeute, par peu importe, hein, un magnétiseur, un énergéticien, il y a le besoin d'aller recharger ses batteries en fait. Hein. Alors je vais juste pousser un peu ceci. Voilà, hop, et voilà. Alors je vais recouvrir le soleil, le serpent par la jalousie, l'homme, le trèfle par la corne d'abondance. Nous avons le bateau, le bouquet par la récolte, le nuage, le cœur par la légèreté, et enfin la montagne, les poissons par le message. Ce qui est très cohérent quand même hein, dans les colonnes, c'est très 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 cohérent. Hein. Alors, quand on regarde juste cette ligne-là,
on voit qu'il y a un regard sur nous-mêmes. Moi, ici, comme je vous ai déjà dit, je l'ai appelé la jalousie, mais on pourrait l'appeler le déséquilibre émotionnel, vous voyez. Il y a ce côté un petit peu l'autoflagellation, il y a ce côté j'ai un mauvais regard sur moi-même et donc sur les autres, ou même on pourrait l'appeler le jugement, vous voyez. C'est du jugement, en fait, hein, c'est du jugement. Du jugement, je pense, sur nous-mêmes, mais aussi peut-être... peut-être que, comme je vous ai dit, s'il y a une sensation de trahison, il y a peut-être du jugement sur vous aussi, hein. Il y a peut-être un regard assez négatif sur vous qui vous impactera. Si ça sort, c'est que ça vous impacte, sinon ça ne sort jamais. Ouais, aujourd'hui, il y a peut-être un truc où vous entendrez quelque chose qu'on a dit sur vous, ou peut-être que vous allez entendre concrètement quelque chose qui est en train de se dire, ou peut-être que la personne en face de vous vous fera comprendre, ou peut-être que vous allez... Ah, mais c'est pour ça qu'il y a ceci et cela qui se passe, c'est parce que il y a un effet miroir et que du coup je réveille quelque chose chez elle, ou voilà, il y a cette idée-là, mais il y a aussi le côté, bah, je me rabaisse, je me juge pas suffisamment ceci, pas assez cela, etc. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce côté-là. Ensuite, nous avons l'homme, le trèfle et la corne d'abondance. C'est pas grave parce que ça va assez vite s'apaiser et vous allez assez vite prendre conscience que les choses vont aller dans le bon sens. Vous allez réussir votre truc, hein. Vous allez, si vous avez des projets, quel que soit le projet, hein, professionnel, familial, gros, petit, amoureux, peu importe, moi je vous encourage à aller de l'avant parce qu'objectivement, il y a l'idée d'une récolte, il y a l'idée de quelque chose qui se passe assez bien. On a un émotionnel qui va s'alléger, mais pour l'instant, vous êtes bloqué dans le nuage parce que bah, vous ne savez pas forcément où vous allez aller, etc. Ce qui va en découler, bah, ce qui va en découler, c'est de la légèreté. Et pour moi, il y a l'idée que ce n'est pas forcément la fin du chemin et que ça peut mener encore à d'autres choses, que ça peut... Vous allez peut-être débloquer quelque chose qui vous mènera bien plus loin que ce que vous aviez pensé à la base. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous, on se retrouve demain. Je vous embrasse très fort. Salut !